je suis vivant. Michel. Michel. Dis-moi, tu es où? Tu es où? Cellule froide au-dessus de moi commence à entrer dans mon corps et je revois les images d'un après-midi. Je l'ai rencontré pour la première fois, c'était au jardin du Palais Royal, un après-midi magnifique. C'était que j'ai entendu la lumière. Elle m'a regardé et j'étais heureux, très heureux. La semaine suivante, j'écrivais des lettres à Michel sous les ponts des arbres. Depuis, je marchais sous une pluie de roses. Réponds-moi où tu es. Réponds-moi. Réponds-moi. J'ai mal. J'ai mal pas. Je peux pas marcher. Pendant la nuit, il y a une sorte de lumière étrange qui ressemble à une présence. C'est qui? C'est quoi cette présence? Sans jamais me dire un mot. Au lever du jour, elle disparaît avec la lumière. Je revois les images de notre départ d'hier. Ils sont partis rejoindre Jean à Ronda. Dans l'avion, je pensais à la passion interdite entre Michel et Jean, son amant d'autrefois. C'était moi qui insistais pour l'accompagner, sans doute. Par la jalousie. Nous étions attendus chez Jean dans un couvent du 18e, à seulement quelques minutes, lié d'incident. Jean est moine depuis un certain temps déjà. Michel m'a dit qu'il est moine, magicien. Nous ne sommes jamais arrivés chez Jean à cause d'une dispute personnelle. La suite, vous le savez. Cette nuit, j'entends un murmure. Hélicoptères. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, Michel. Michel. C'est toi, Michel. C'est toi qui as envoyé les signaux. Je vois la lumière autour de moi. C'est qui? C'est toi? Michel.
Pardon, Michel. Pardon, mon amour. Je vais te rejoindre maintenant, mon amour. Oui, maintenant. Maintenant.